Aujourd'hui, 1er janvier, donc c'est le grand jour. Comme vous savez, j'ai organisé un sal de broderie, le sal du Nouvel An, et j'ai organisé également un cal, donc le cal de la couverture météo, et plus le challenge du bocal. Voilà, le bocal où on va du fil des lumières, donc où on mettra tous nos petits déchets de broderie tout au long de l'année dedans. Voilà. Je vous remettrai des liens dans le petit i pour que vous retrouviez les vidéos explicatives pour le sal, le cal et le bocal. Voilà. Bon, le sal et le cal, on le commençait ici le 1er janvier, donc c'est aujourd'hui. On a donc posé, j'espère que toutes. Alors, on est presque une soixantaine de participants. J'en suis vraiment très 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 heureuse. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, tout le monde ne participe pas à tout, mais on est une soixantaine pour le tout, pour le sal, le cal et le bocal. J'en suis vraiment très heureuse. Donc j'espère que tout le monde sera encore là dans la continuité, parce que des fois c'est vrai qu'il peut y avoir des abandons, hein, mais bon. Pour raisons personnelles ou autres. Donc, mais ça, c'est comme toujours. Il n'y a pas, c'est la normalité. Mais j'espère que arrivé au bout, on sera quand même encore une soixantaine, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, moi, je vous montre une petite vidéo juste après photo. Voilà. Alors, dès le début, je vais vous montrer la photo. Ça y est, j'ai fait mon premier rang. De ma couverture météo. Comme c'est le premier rang, je l'ai fait en aller-retour. Voilà. J'ai fait mâcher. Moi, je le fais au crochet. Le premier rang est fait en maille serrée. Alors, j'hésite encore. Faire une journée maille serrée, une journée bride, une journée maille serrée, une journée bride. Etc. Voilà. Je pense que je vais peut-être faire comme ça. Je verrai demain. Du coup, demain, normalement, ce sera des brides. Et aujourd'hui, chez moi, dans le nord, il fait donc à midi, il faisait 13 degrés. Température normale, hein, pour un mois de janvier, pour un début de mois de janvier. Oui. Donc, j'ai utilisé ma couleur bleue numéro 22. Moi, je fais avec les laines Amigo de chez Hobby. Voilà. Bougez pas. Coucou, me revoilà. Voilà donc la première couleur de ma couverture météo, donc qui correspond à la température du jour. Voilà, donc c'est le coloris 22. Voilà, alors hop, 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 voilà. Donc c'est de l'Amigo. Donc toute ma laine sera en Amigo. Voilà, là c'est ma réserve. Le reste est. Donc comme j'ai tout en deux pelotes, le reste est dans mon sac en bas. Donc, je vais vous mettre juste après la photo de mon premier rang. Voilà. Je vous ferai pas une photo chaque jour. Hein. J'essaierai de vous faire un petit bilan par semaine, peut-être. Je verrai comment je vais goupiller ça. Et le bilan de tous les participants, pour que ce soit pour le sal ou pour la couverture météo, je le ferai une fois par mois. Voilà. Donc voilà, j'ai sur ma broderie, sur le sal du Nouvel An, j'ai déjà j'ai brodé aujourd'hui parce qu'il fallait que je pose mes premières petites croix aujourd'hui, jour du Nouvel An, 1er janvier, pour que la tradition veut que les brodeuses fassent ça pour se porter bonheur toute l'année. Voilà, donc là j'ai déjà brodé trois cases. Voilà, sur ma première case que j'ai délimitée, hein, j'ai délimité en 12 cases pour que tout le monde ait une case à broder par mois. Donc dans une case, je ne peux pas vous dire combien il y a de nombre de carrés exactement, puisqu'il y en a qui vont avoir des toiles un peu plus grandes, un peu plus petites, voilà. Donc ça va bouger un peu par rapport à ce que les brodeuses et brodeurs, puisque j'ai un homme qui fait, c'est Ludovic, je vous en parle régulièrement,
qui fait également le sale. Donc, on n'a pas le même nombre de croix à broder, mais bon, comme c'est sur un mois, il n'y a pas de souci. Donc, moi, là, j'ai déjà fait trois cases et un petit peu sur la quatrième. Et je vais avancer comme ça. Je pense qu'en 5, en, ouais, 5, 6 fois sur le mois, j'aurai fait ma petite case. Donc là, par contre, je vous mets une petite vidéo où vous me voyez broder et je vous remets une photo à la fin de là où j'en suis sur ma broderie. Voilà. Bah, écoutez, première vidéo, à part la vidéo d'avant où c'était mes vœux, mais première vidéo de l'année. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien démarré cette première année, cette nouvelle année, pardon. Et puis, ben, en attendant, je vous laisse visionner la suite de la vidéo et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous et encore très bonne année à tout le monde. Je vous embrasse tous.
Thank you.